Ils sont 316 candidats à affronter le concours d'entrée au lycée d'excellence. Le concours permet à ces apprenants de poursuivre leurs études du secondaire premier et deuxième degré au lycée d'excellence conventionné. Pour ce concours qui ne se déroule qu'en un seul jour, ils vont plancher sur les épreuves de français, mathématiques et sciences physiques pour les candidats du collège et ceux du lycée. Les questions de cours, le français et les mathématiques pour ceux du CM2. Je suis venue faire le concours pour passer au 6e. Je me sens bien, c'est plutôt facile. Si certains candidats affichent un optimisme sûr, d'autres par contre lorgnent déjà certaines carrières. C'est très important parce que ça dépend de mon avenir. Si je réussis ce concours, je peux rendre fière ma famille, je vais aider le pays dans le futur, je peux être le cadre de demain. Faisant ce concours, je veux réussir ma carrière. Mais pourquoi un concours pour accéder au lycée d'excellence de la Révolution? Le chef de centre a dégagé l'importance de l'enseignement scolaire. Le but de ce test, c'est sélectionner des candidats, une façon de filtrer, puisqu'on va prendre les excellents. La moyenne retenue, c'est 12. Nous avons débuté les épreuves à 9h et nous allons terminer à 14h. Combien obtiendront le sésame pour intégrer ce lycée tant convoité par les élèves? La réponse, dans quelques jours.